Nick, dis-moi, t'as pas toujours été dans la restauration et t'as pas toujours vécu à Montpellier. Non, pas du tout. D'où est-ce que tu viens? Donc, origine de Manchester. Là, ça fait 10 ans que je suis à Montpellier, donc je me considère un petit peu montpellierain maintenant. Donc, avant, je travaillais dans la déco et voilà, il y a 2 ans, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse autre chose. Et c'était un petit voyage à Londres où je suis allé dans un petit café au nord de Londres. Et voilà, j'ai bu un café latte, j'ai trouvé ça extraordinaire par rapport au café que j'avais bu pendant mes jours en travaillant en France. Donc après, j'ai eu l'idée de créer Coffee Club. D'accord, parce que c'est vrai qu'avec le Coffee Club, tu as vraiment importé un concept en fait, qu'on n'avait pas du tout dans le sud de la France. Voilà, en Angleterre, il y a des centaines de petits cafés indépendants qui marchent très très bien, qui utilisent des produits frais. Et même s'il y a des grandes chaînes partout, ils arrivent à fonctionner très très bien. Et donc l'idée c'était de ramener ce concept sans vraiment le modifier et de le créer à Montpellier. Et ce qui fait aussi la particularité en fait de cet endroit, c'est vraiment cet esprit communautaire. Ouais, l'idée c'était d'essayer de créer une communauté autour du café, que les gens viennent, qu'ils passent un bon moment, qu'ils sont à l'aise. Et voilà, le café est très petit, donc ça me permet de parler avec les clients, de créer les liens avec eux et après des liens se créent entre clients aussi, vu la taille de l'espace. Et pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Il y a notamment une carte là-bas en fait où on peut indiquer d'où est-ce qu'on vient. Voilà, c'est une idée qu'on a une amie de Nouvelle-Zélande qui est partie maintenant. Donc les clients y viennent et depuis 2 mois, on a des gens de partout. Donc, je crois que ça reflète un peu la ville de Montpellier maintenant. C'est une ville qui se développe beaucoup. Il y a des gens de partout dans le monde et beaucoup d'entre eux se donnent rendez-vous ici pour boire un café. Et qui vient justement ici? Ça peut être des étudiants qui aiment beaucoup le fait que les cafés, tu peux les prendre à emporter. Ils aiment bien le déco. Et aussi les gens qui aiment le bon café. Le café est torréfié ici dans la région. Qu'est-ce que tu proposes alors justement comme produit? Donc principalement c'est voilà, les boissons à base d'espresso. Donc l'espresso tout simple, latte, mocha, cappuccino. Après j'ai une gamme de thé que j'ai importé de l'Angleterre. Aussi il y a des boissons fraîches. Et je travaille avec une pâtissière, une française qui adore tout ce qui est pâtisserie anglo-saxonne, qui me fait des gâteaux tous les jours. Et au niveau horaire d'ouverture, quand est-ce qu'on peut venir au Coffee Club? Oui, donc dans la semaine, de mardi à vendredi, j'ouvre à 8h30 jusqu'à 19h, et le week-end de 11h jusqu'à 19h aussi. Merci. Eh bien, c'était vraiment délicieux, je vous conseille de faire comme moi, venir tester le Coffee Club. We'll be right back.